bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un big haul de plusieurs magasins que j'ai fait depuis 2 mois. Donc j'ai plein de choses à vous présenter. Alors il y aura de la déco, de la mode, de la nourriture, des livres, bref plein de choses. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, on va commencer, je vais faire par magasin, comme ça c'est plus facile pour vous peut-être d'après de rechercher sur internet. Donc Action, j'ai pas grand chose à vous présenter, pourtant Action c'est facile de faire beaucoup d'achats, mais là aujourd'hui je vais vous présenter donc ce petit cloche avec un oiseau dessus. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs choses dedans. Moi, j'ai voulu ajouter ce petit cactus. Voilà, ce petit cactus, je le trouvais très mignon. Et donc l'idée, c'était de le mettre hop, comme ça à l'intérieur. Voilà, sur la table. Et tout de suite, on est dans l'ambiance cactus, les exotiques, enfin bref, plein de choses. Moi j'aime beaucoup et vous allez voir que en ce moment j'ai acheté beaucoup de choses au niveau fleuri, c'est vraiment la tendance du moment. Donc j'ai pris aussi ce coussin de chez Action, voilà, je le trouve super joli, avec des ananas, des hibiscus, des fleurs de palmier. Je trouve que ça égaye le salon et le coussin est juste magnifique. Ils font d'autres modèles aussi, mais voilà. Un petit coussin. Toujours chez Action, j'ai pris ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est pour le sport. C'est pour faire des abdominaux. On se met sur les genoux ou en planche. Et l'idée, c'est de faire rouler sur le tapis et de revenir. Donc c'est pour faire travailler les abdos. Et donc au début, c'est assez difficile. Il faut vraiment s'entraîner. Mais voilà, c'est... C'est super si vous faites du fitness, ça prend pas de place et ça se démonte aussi. Hop, c'est vite fait pour manger. Voilà, tout se démonte. Voilà. Chez Action. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est bon pour Action. Maintenant, on va passer. Donc, je suis allée à Monoprix. Et pour la fête des mères, ils ont fait plusieurs petites choses, des magnettes. Hop, je vais le mettre à l'endroit. Voilà. Cette parole, elle est très connue. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà, ça c'est une petite magnette à mettre sur le frigo. Voilà, une petite parole comme ça. Et un deuxième, c'est un petit cahier que j'ai pas encore ouvert. Et dedans, je vais mettre plein d'idées de vidéos YouTube. Et la phrase est dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Je trouve ça vraiment sympa comme tout. Il y avait d'autres choses, il y avait comme celui-ci, mais en version petit cahier. Ils ont des stylos, des trousses, qu'est-ce qu'il y avait d'autres, des grands cahiers, il y avait pas mal de choses. Donc c'est en ce moment chez Monoprix, donc n'hésitez pas si vous voulez faire un cadeau à votre maman ou même pour vous de prendre ça. Ensuite, ils avaient chez Monoprix, enfin ils ont toujours hein, chez Monoprix des petites chaussettes. Donc vous avez version cactus, vous avez version ananas, vous avez version comment s'appelle, flamant rose. Voilà, hop, celle-ci elle est à l'envers. Voilà, des flamants roses. Il y en a encore, encore une autre paire, il me semble. Donc c'est voilà, des petites paires pour l'été de chaussettes. Je trouve ça trop, trop mignon. Voilà, on est vraiment dans la tendance tropicale. Moi, je vous dis, là, j'ai acheté plein de choses tropicales. Chez Monoprix, toujours, j'ai pris cette chemise pour homme. Cette chemise pour homme. Voilà, je la trouve juste magnifique. Donc, il y a des petits palmiers de couleur rouge, bleu et orange. Voilà, et je la trouve juste bien. Elle est très, très bien.
On peut la porter ouverte avec un petit t-shirt à l'intérieur. Voilà pour les soirs, pour aller au restaurant, parce qu'on va bientôt partir en vacances. Je ne vous dis pas encore où. Et cette chemise a coûté 29,99 € donc 30 euros. Voilà, en ce moment, il y a des soldes chez Monoprix. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Voilà. Voilà pour Monoprix. Ensuite, on va passer au magasin Pinky. Alors Pinky, je suis allée, j'ai trouvé toujours dans le thème cactus tropical ce petit t-shirt. Voilà, pour l'été, bien sympa. Ensuite, il y a... Alors, celui-ci, il est à l'envers, bien sûr. Celui-ci, avec des succulents, des petites plantes, des petits, voilà, des cactus toujours, voilà, en blanc et en noir. Et les t-shirts, c'est 12,99 €. Donc c'est en ce moment chez Pinky. Donc il taille bien, c'est en coton. Moi j'aime beaucoup les t-shirts en coton. Voilà, deux petits t-shirts. Et toujours dans le thème tropical, ce sac avec des... comment ça s'appelle? C'est pas des perroquets, c'est des oiseaux avec des grands becs, enfin bref, là, vous avez compris. Et dedans, voilà, il est comme ça, il y a une petite poche. Donc ça et la lanière est en doré. Donc j'espère que ça va pas s'oxyder, ça j'ai bien peur. Ou sinon, je pourrais mettre un bout de tissu par ici. Enfin bref, quoi, on verra. Mais en tout cas, pour l'été, ça habille une tenue. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, pour rester dans la tendance tropicale à fond, chez Zara, j'ai trouvé ce short. Ce short pour l'été, pareil. Donc j'ai plus son prix, mais je crois qu'il était moins de 15 euros. Hein. Voilà, un petit short pour l'été qui ira très bien avec le cactus au-dessus. Et oui, je joue à fond la tendance des cactus et des palmiers. Voilà pour ça. Trouvé chez Camaïeu une robe en dentelle, vous allez voir, voilà, en dentelle. Et ça c'est pour les soirées, pour les restaurants. Donc elle est toute simple, mais moi je la trouve super jolie, vraiment très très jolie. Je la trouve bien taillée, voilà, tout en dentelle pour aller dans les soirées. Je verrais bien avec des chaussures rouges par exemple, voilà. Chez AliExpress, j'achète beaucoup de choses dans cette boutique. Et donc on va commencer tout de suite par une veste, voilà, qui a coûté peut-être moins de 10 euros. Une petite veste avec un liseré comme ça. Là, il y a un liseré tout le long. Voilà. Après la matière, je suis moyennement fan. C'est un peu synthétique. Je suis moyennement fan, mais elle est très colorée, moi ça c'est vraiment mon style, le côté très fleuri. Et à mettre par exemple avec un pantalon blanc, une jupe, une robe blanche par exemple, et juste ça, très coloré, je trouve ça très joli. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé chez AliExpress, là c'est vraiment aussi, on en trouve partout en ce moment, c'est des baskets. Des baskets avec des roses par-dessus. Donc voilà, elles sont comme ça. Les roses, elles sont petites. C'est hyper confortable. Elles sont ultra légères. Et elles m'ont coûté peut-être 13 euros, 12 ou 13 euros chez AliExpress. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les articles qui sont encore disponibles. Voilà, donc c'est une taille 37. Et
Voilà, moi j'aime beaucoup jouer des petites chaussures blanches pour accompagner des shorts en jean, des tenues bien confortables pour marcher pendant les vacances dans la destination où je vous en parlerai un peu plus tard sur ma chaîne. Voilà, donc j'ai trouvé ceci chez AliExpress toujours. Hein. Donc c'est un petit bijou, c'est rose, parme, voilà, c'est des petites perles. Et c'est à mettre vraiment pour un mariage. Vous pouvez le mettre en chignon derrière ou en couronne sur la tête. Voilà, avec une belle coiffure, hein, ça pourrait faire génial. Alors, j'ai trouvé aussi chez AliExpress, c'est vraiment tendance en ce moment, les chaussettes en résille. On en voit partout sur les réseaux sociaux, Instagram. Et donc, je m'étais dit, ce serait très joli de associer avec la petite basket et mettre voilà, le petit nœud en évidence derrière. Voilà, juste, là, on voit un tout petit peu de la résille et dans une chaussure comme ça. Je trouve ça trop sympa, trop mignon. Alors, toujours chez AliExpress, j'ai trouvé ce petit haut en vert foré avec un lassage. Donc, vous pouvez serrer plus ou moins en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Et en fait, je cherchais un petit haut à mettre avec mon short que je vous ai montré tout à l'heure, ce short-là. Voilà, chercher un haut vert pour les soirs, si jamais il fait un peu plus frais. Voilà, donc l'idée c'était associer ce petit haut au short. Voilà, très mignon et pareil, il m'a coûté, je crois, dans les 6 euros. Enfin bref, je vous mettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos de tous les produits. Ensuite, chez AliExpress, toujours, donc j'ai trouvé cette robe, cette longue robe. Voilà, hop. Et elle est plus grande derrière que devant. Et là, pareil, pour cet été, on a vu aussi, enfin, le printemps-été, beaucoup de chemises à fleurs avec des rayures bleues. Donc, bon, là, il n'est pas repassé, je suis désolée, il sort de la machine. Et donc, il y a des rayures bleues. Il est en coton. Voilà, on voit bien les rayures. Il est en coton et je l'ai trouvé à 12 euros, je crois, qu'alors sur d'autres sites il était à 25, il était vraiment plus cher. Et voilà, donc en fouillant sur le site, je la trouvais tellement jolie cette chemise. Je l'ai vue sur d'autres chaînes YouTube. Et voilà, donc je me suis dit, je vais me la procurer et je vais la trouver en moins cher. Et voilà, je l'ai trouvée chez AliExpress. Donc c'est une XL. Voilà, une XL, moi je porte du XL pour le haut. Et elle est juste magnifique, cette chemise. Chez AliExpress, j'ai acheté ce petit coffret qui est comme une GoPro. Donc là dedans, vous avez tout un matériel, plein de choses comme la GoPro à attacher sur les casques de moto. C'est une petite caméra. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un mignon? Un mignon, moi je trouve ça trop joli. Je l'ai pris en jaune exprès parce que c'est bien flashy. Hein. Et l'idée c'est parce qu'on organise un voyage avec Pierre et voilà, j'avais besoin d'une petite caméra comme ça qui aille sous l'eau, parce qu'on va faire plein de choses et aussi pour mes vidéos de sport, je voulais une petite caméra pour pouvoir me filmer pendant que je fais de la course à pied par exemple dehors. Et ça marche très bien. Donc j'ai trouvé chez AliExpress pour à peu près 60 euros. Et donc voilà, si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans une GoPro, ben vous avez aussi des sous-marques qui font des choses vraiment bien. Donc à la halle aux chaussures, j'ai trouvé des espadrilles. Donc ça, c'est celle de mon mari. Donc elles sont à 8,99 € donc 9 euros et pareil en version pour femme avec de la dentelle et il y avait plein de choix des motifs à rayures, des fleurs, des palmiers, il y avait plein de choix. Voilà, donc moi j'ai choisi celle-ci pour moi
toute noire, je voulais quelque chose de simple. Et donc vous pouvez associer avec une robe, un short, ce que vous voulez, mais c'est un indispensable à avoir chez vous, des petites espadrilles. Donc j'ai passé pour la première fois une commande chez Woman Best, donc, parce que j'avais vu dans les réseaux sociaux ce legging et je le trouvais trop trop joli. Vous voyez là, c'est vraiment pareil, tropical à fond. Ouais, voilà, tropical à fond. Et voilà, la coupe de derrière est comme ça. Et je le trouve trop trop beau. Hein. Trop trop beau ce legging. Il est tout doux. Hein. Il est tout doux et on est très confortable dedans. Et si vous avez envie de faire du sport et que vous avez envie de vous encourager, ben ça commence aussi par la tenue, d'avoir des belles tenues de sport. Hein. Et donc, il fallait payer les frais de port et je voulais pas payer les frais de port. Du coup, j'ai augmenté un peu plus la commande pour pas payer les frais de port. Et du coup, je me suis acheté ces deux pâtes à tartiner que je n'ai pas encore goûté. Mais c'est une pâte à tartiner protéinée au chocolat noir. Au chocolat au lait, pardon, et là au chocolat blanc de la pâte à tartiner, enfin la pâte à tartiner protéinée. Je vais y arriver. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, au niveau des ingrédients, alors les ingrédients, donc il y a un édulcorant, il y a de la matière végétale, de l'huile de colza et de palme. Et de la protéine de concentré de lait, un émulsifiant, les lécithines de soja et l'arôme vanille. Bon, alors c'est pas le produit que j'achèterai par la suite, hein, clairement, mais voilà, c'était juste pour compléter ma commande. Ensuite, donc en restant sur le sport, je me suis procuré le livre de Sissi Mua. Donc Sissi Mua, c'est une youtubeuse que beaucoup de personnes connaissent voilà, sur YouTube. Et donc elle est spécialisée dans le fitness. Et là, c'est son deuxième livre qu'elle a sorti. Et donc là, vous avez plein de conseils sur la nutrition, sur le sport. À la fin du livre, vous avez un programme. Un programme dédié aux débutants, aux intermédiaires et aux confirmés. Donc vous avez voilà plein d'exercices à faire hein, en fonction du niveau où vous êtes avec enfin avec matériel ou sans matériel. Et voilà, c'est un très bon livre à avoir si vous voulez faire du fitness. Donc voilà, c'est Sissi Mua. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous voulez la découvrir davantage. Voilà, c'est une youtubeuse que je suis depuis déjà, on va dire, 2-3 ans. Je suis allée chez Que de Cerise. Donc, Que de Cerise, ils proposent quelque chose de très bien pour la planète. Ce sont des petits sachets en coton. Donc, ce sont des sacs en coton. Il y en a 5. Vous avez deux formats, des grands formats et des petits formats. Et moi, j'achète des légumes pratiquement tous les jours. Et tous les jours, je prenais avant un sachet plastique. Et maintenant que les sachets plastiques sont finis dans les magasins, je prenais des sachets en papier. Et je me suis dit, non, mais j'en ai trop, quoi. J'ai trop de sachets en papier. Il faut que je trouve un moyen pour moins gaspiller. Et du coup, j'ai trouvé ces petits sachets en coton. Ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter dans les 5 euros les 5 sachets en coton. Voilà, et dedans vous pouvez mettre le vrac, comme vous pouvez mettre des légumes. Voilà, ça c'est vraiment pour faire un geste au niveau de la planète. Voilà, c'est réutilisable, lavable, c'est tout fin, tout léger. Et voilà, moi c'est. Je vous conseille d'en acheter si vous faites beaucoup de courses dans les magasins et que vous utilisez beaucoup de sachets en plastique ou en papier, de les remplacer par ces sachets en coton. Voilà, moi j'en ai investi dans deux jeux et je compte peut-être en acheter un peu plus en fonction de la taille des sachets. Alors, chez Naturalia, vous pouvez trouver des tisanes. Donc voilà, j'en ai pris deux tisanes de chez Pouka. Donc il y en a une, c'est Revitalise
et l'autre c'est Or de Curcuma. Donc je voulais juste attirer votre attention sur la beauté de la boîte. À l'intérieur, il y a même un message qui vous parle des plantes qu'ils ont utilisées pour faire la tisane. Et voilà, donc c'est des petits sachets, des sachets, et dedans on revitalise. Donc c'est une tisane biologique, revigorante, avec des éclats de cannelle, de cardamome et de gingembre. Elle est trop bonne. Moi, j'aime pas la marque Yogiti parce que j'aime pas le côté yoga. En plus, il y a des positions de yoga à l'intérieur de la boîte. J'aime pas du tout. Mais donc voilà, moi j'ai trouvé une alternative au Yogiti. C'est la marque Pukka. Et ensuite, j'ai pris celle-ci, Pukka Or. Donc dedans, Pukka Or de Cluma. Donc c'est un mélange biologique doré issu du meilleur curcuma, du citron et du thé vert. Et je vous dis, moi, ces tisanes-là, elles sont top. Je suis fan. J'en ai beaucoup de chez eux. Voilà. Ensuite, pour rester dans le domaine de la santé, je vous propose un autre super aliment. C'est Vitality. Donc c'est de la marque Purasana. Purasana, j'avais déjà acheté dans une autre vidéo, vous avez dû voir le sport, hein, Sport Formula, et là c'est la Vitality. Donc globalement, on retrouve à peu près les mêmes ingrédients, mais j'ai presque fini le Sport Formula et je voulais tester quelque chose de nouveau. Donc dedans, on retrouve de la maca, du lucuma, du cacao, mais là il y a des herbes de blé en plus par rapport au Sport Formula. Il y a de la spiruline comme dans l'autre, il y a du guarana et des baies d'açaï. Donc ça, c'est un des super aliments que je mets tous les matins au petit déjeuner dans mon bol de céréales, une cuillère à café, et j'ai vu la différence. J'ai vu la différence au niveau vitalité, au niveau peps. Voilà, moi je vous recommande vraiment ces produits-là à rajouter dans un petit peu tous les jours dans votre aliment. Ensuite, bon là j'en ai plus, mais j'ai gardé juste l'emballage. C'est pour vous parler des sucettes biologiques. Des sucettes biologiques, donc c'était un assortiment de plusieurs sucettes. Et là c'est vraiment du fruit à 100% de fruits. Donc en gros, il y a du sirop de sucre de canne, il y a du sirop de riz, il y a des acidifiants pour faire tout le côté sucette, il y a des colorants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des concentrés de fruits, de cassis, de légumes, de la carotte. Et voilà, dedans, il y avait plusieurs parfums. Et j'ai juste gardé le paquet parce qu'on a tout mangé avec mon mari et une copine. Mais il y avait cranberry, abricot, pêche. Donc voilà, ça c'est vraiment bien pour les enfants. Si vous voulez donner des bons bonbons à vos enfants, ben je vous recommanderais cette marque qui s'appelle Yum Earths Organic Pops. Et voilà, donc ça vous trouvez dans les magasins bio. Toujours dans le côté gourmandise, donc j'ai acheté chez Naturalia, c'est deux fois le même paquet, mais il y en a un qui est vide, il y en a un autre, il reste un rescapé. Un rescapé, mais il est tout petit. Alors c'est pas. Normalement c'est beaucoup plus gros. Donc c'est des plaques comme ça de chocolat. Donc ici on va mieux voir. Hein. Donc c'est des chocolats un peu fractionnés, hein, coupés à la one again. Et dedans vous avez donc des baies de goji, des graines de courge, de l'amande, des graines de tournesol. Voilà, vous avez. Et c'est du chocolat noir. Hein. C'est vegan, donc voilà, c'est vraiment un produit sympa que vous pouvez acheter chez Naturalia si vous aimez le chocolat. J'ai beaucoup aimé la petite phrase zone d'expression naturellement chocolatée. C'est Naturalia qui fait ça, et voilà, donc très très sympa. Toujours dans des biscuits, des choses utiles. On peut manger des biscuits, mais j'ai trouvé que ce paquet-là était vraiment intelligent. Quand on craque sur des biscuits, autant craquer sur des biscuits intelligents. Et là,
J'ai pris cette marque-là, donc il y en a, c'est deux paquets différents. Donc il y en a un au cranberry et un autre à l'abricot. Donc ce sont des petits sablés. Ce sont des petits sablés, des petits biscuits. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que c'est vert parce que c'est à la spiruline. Et voilà, c'est des petits biscuits où donc dedans vous avez un peu de matière grasse, des glucides, des fibres et des protéines de 9 grammes pour 100 grammes. Voilà, donc c'est très riche en fer, en magnésium, en vitamine E et en vitamine B12. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'il y a la spiruline dedans que je les ai achetés. Et la spiruline, c'est quoi? C'est une petite algue qui sert à former vos muscles si vous êtes sportif. Si vous êtes une femme enceinte, et ben ça va vous aider aussi à avoir comment dire, des bons minéraux comme du fer, du magnésium, ce que vous voulez. Ça va aider aussi les végétariens qui ne mangent pas beaucoup de protéines, qui sont en carence en fer. Ben la spiruline, c'est très riche en fer. Donc voilà, je pourrais éventuellement vous en parler dans une autre vidéo de la spiruline. Mais voilà, ça c'était juste pour vous parler des petits biscuits à la spiruline. Et pour finir, chez Naturalia, j'ai trouvé 3 livres. Donc cuisiner avec des huiles essentielles. Donc ce sera l'objet d'une future vidéo où je compte cuisiner, vous montrer comment on peut cuisiner avec des huiles essentielles. Donc voilà, il y a plein de des petites recettes. Des olives, d'une bûche de grand sapin, la ganache menthe cacao, une confiture rouge à la lavande, il y a plein de choses en fonction des huiles essentielles. Voilà, ça m'a beaucoup plu et je compte faire quelques vidéos dessus. Ensuite, lors d'une brocante, j'ai trouvé ce livre qui parle des graines germées, qui est aussi un super aliment qui booste votre organisme. Là, justement, vu que ma chaîne s'appelle Tout est dans la graine, je compte vous faire un jour une vidéo aussi sur les graines germées. Donc voilà, en attendant, je me suis procuré le livre sur les graines germées. Et le dernier, c'est sur la coco. Parce que la coco, on entend beaucoup parler. Et pareil, je vous ferai une vidéo sur la coco. Tout ce qu'on peut faire avec de la coco, que ce soit en huile, en beurre. En poudre, en chips, sucré, salé, voilà. Je compte faire beaucoup de recettes autour de la coco. Donc voilà, un petit livre sur la coco. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Restez connectés parce que il va bientôt y avoir un grand voyage et je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous faire rêver. Bisous!